Conflit transfrontalier entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Une délégation composée de notables de la province, conduite par le gouverneur intérimaire du Tanganyika, était reçue par le patron de la territoriale. Cette délégation a tenu à clarifier la situation qui se vit actuellement dans le territoire des Moba quant à la délimitation des frontières entre les deux États. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a promis de s'engager pour des solutions idoines. Et une demande d'audience pour clarifier le problème qui se vit actuellement dans la province du Tanganyika et plus précisément dans le territoire de Moba concernant les délimitations de frontières entre notre pays et la Zambie. Depuis ma prise de fonction, plus précisément 2 mois, la situation sécuritaire évolue dans un bon climat et on peut dire que relativement sur toute l'étendue du territoire, elle est contrôlée. La position prise par le VPM intérieur par rapport à notre requête est une position qui est positive. D'abord, la première est celle de nous avoir reçus, moi et ma délégation. La deuxième, c'est celle d'avoir été dans le sens de la population congolaise. Et la troisième, c'est de faire en sorte que ce problème soit réglé le plus pacifiquement possible, de manière à faire que les relations entre le Congo et la Zambie puisse continuer dans le calme que l'on vit actuellement et ainsi donner la possibilité aux deux chefs d'État d'aider ces deux pays à évoluer maintenant.